some burger. Oh, peanut butter. Hein? C'est burger with peanut butter. Ok. Il veut avec. Il veut un burger with peanut butter. En fait. Ok, on l'a fait. Can I get the burger with the peanut butter? Do you think it's better with the Dr. Pepper? Can I get some turkey? I need more protein. Can I get some whiskey? I could drink a fontaine. Maybe since this morning I need maybe the chicken wings. The cheese and bacon. Là, l'accent ricain. Fried chicken. Not a lot of chicken. I prefer the fried chicken. Inside my burger. Not a raw chicken. Cause I prefer the fried chicken. Fried chicken, baby. I just love the taste of my chicken wings. Yeah! Non, c'est... Les amis, je me trouve actuellement devant notre hôtel à Bryce Canyon. Mais comme on n'a pas les clés, ben on rentre pas tout de suite. Voilà. Nous partons dans ce cas directement dans le parc. Et donc c'est parti, on est avec nous quoi. Waouh, c'est stylé. Donc là on est où? Là les amis, on est à Bryce Canyon. Oui. Non mais le nom du pont, c'est bien. On est à Bryce Canyon au Rainbow Point. Voilà. Genre arc-en-ciel point. Super, merci. Ce qui est appréciable, c'est que le soleil est de sortie. Le soleil est de sortie. On est à un point plutôt haut dans l'Amérique et du coup il a neigé, frérot. Et ça fait plaisir. Ah non, arrête, mon téléphone. Sale victime. Les amis, il y a des panthères ici. C'est de la bonne. On peut pas mettre ça. Sniff, on cherche à la chasse de la panthère. Aujourd'hui, on part à la chasse de la panthère. Je m'appelle Daisy McDonald Mackenzie Kennedy. Et aujourd'hui, on va chasser la panthère. Allez, venez. Hier, on a croisé une panthère sur la route. J'en ai fait un gant. Oh, on dit qu'il y a des panthères ici. Mais la seule panthère, elle est à sa poignée. Ah, j'ai cru que la seule panthère du parc aujourd'hui, c'était moi. Tu vas te prendre l'arbre. Rire. Je suis assommée, affamée, le pire en auprès. Why are you so far away? No, tonight I'm not okay. I'll be alright, I'm just in my head. It was just last year in Utah. Red Clay Canyon t-shirt, no bra. Il faisait moins froid tout à l'heure parce qu'il faisait plus chaud. Oh, il faisait moins froid parce qu'il faisait plus chaud. Ouais. Ça se tient. Non, ça se tient. Qu'est-ce que t'as vu là-bas? J'ai vu rien de la montagne. Je vais le chasser. Oh, le bruit. Headlights still burning in my mind. The brightest flames burn too fast and die before they get the chance to see what kind of beautiful they'll be. Oh, you lit me up. Oh, yeah, it was something closer, maybe even love. Yeah, something close, but maybe even love. Parti pour une randonnée. Cette fois-ci, la Hot Chop Trail. Cette fois-ci, en temps et en heure, quand même. Ouais, cette fois-ci, on n'est pas dégueu. Hein, cette fois-ci, on est. Waouh, ébloui. Par plus, plus à part. Oh, non. Ouais, je sais pas comment on va faire là. Je pense qu'il faut qu'on fasse demi-tour. Ça fait même pas une minute qu'on marche. J'ai à deux doigts de faire demi-tour. Encore une fois, on n'a pas les chaussures adaptées. Hein. Moonwalk.
Roulotte, roulotte, inversée. Cascade, arc-en-ciel. Casquette, one, two. Ici glacé, ici glacé, ici glacé. Qui voit tout pris? C'est moulinette, c'est moulinette. Salut, je m'appelle James. Oh le bug, oh le bug. Salut les amis, je m'appelle James McBryce Brad Cooper. Et aujourd'hui, on va chasser du lion. On va trouver le lion de la montagne. Et on va lui demander pourquoi il s'appelle lion de la montagne. Allez, venez avec moi. Je vais me faire une nouvelle dent de tigre. Mais c'est un lion, t'as dit. C'est un lion, un tigre. C'est comme ça qu'on dit dans le milieu. Ça peut être un tigre ou un lion de la montagne. Les amis, nous sommes en... T'as visé quoi? Mais que t'es bigno ou quoi, frère? C'est très bien que j'ai un problème de pour viser. Mais non, bouge pas! Je suis là, je ne bouge pas. Mais la neige, elle est super froide. Ah, tu vois, c'est froid. Bon, moi, je m'en vais. Allez, ciao. Bye, cochonaille. Là, elle a encore fait un lancer, genre elle a pointé à la pétanque, quoi. Tu tires où tu peux être. Morning biscuits burned to black. I bet you still remember that. No matter where you are in this big world. Ouais, les gars, là on a fait une randonnée de 3 heures. On fait demi-tour parce qu'on est. Parce qu'on est arrivé au bout de la rando finalement. Ouais, parce que... C'est pas du tout parce qu'elle a peur de tomber sur un lion des montagnes. Parce que Kylie et McCarthy, je sais pas quoi. Non, rien à voir. T'es pas menteuse toi! Les amis, on est au Bryce View. Qui est ceci. Cette view magnifique. Et voilà, en fait, Bryce Canyon, c'est connu particulièrement pour ça. C'est ces petites roches un petite peu cheminée. Coniques, en mode cheminée, qui ont été créées il y a des millions d'années par l'érosion. Voilà. Stars are falling, rain won't cloud. And man, I could do without a song about a guy without a girl. Les amis, après cette magnifique view, nous partons en direction de notre deuxième randonnée et Sunset Point. The brightest flames burn too fast and die before they get the chance to see what kind of beautiful they'll be. Oh, you lit me up. Oh, yeah, it was something close, or maybe even love. Yeah, something close. Or maybe even love. So I could control time and I'd spin the hands back fast as day and night. Or maybe I'd just... Vous savez ce qu'on fait? On prend ses yeux, on les met dans une petite boîte et on les range dans sa poche. Voilà. C'est vraiment incroyable. Bah vraiment, si c'est pas un des plus beaux. Vraiment, parcs. Ouais. Bah même des plus beaux points, je trouve, de ce qu'on a vu, c'est quand même. Incroyable, genre. Or maybe I just make them break at the perfect time, yeah, the perfect place, and the perfect you and me would be alright. The brightest flames burn too fast and die before they get the chance. Because moi je parle un peu l'américain. Tu parles pas l'américain? What to do, man? What to do, man? Moi je croise le puma je le croise, je dis what to do, man? Et après il va faire quoi le puma? What to do, man? Il va faire quoi le puma après? Il va me faire une attaque à l'américaine. Ouais. Et moi je vais lui dire par là. Puis m'arrête pas. Hey. On est dans le Western Road.
Vous vous rendez pas compte parce que c'est hyper drôle parce qu'en fait le bonnet ça se voit qu'il a un sens mine de rien. Et comme elle le met à l'envers, et bah il ressemble à rien. Là tu ressembles, là t'es beau, là t'es beau comme un camion, t'es beau. Magnifique. T'es magnifique. Ça me touche pas, gars. T'es magnifique, Greg. Ça me touche pas, gars. T'es magnifique. Je fly toute la night. J'ai pas le time. Dans ma dondinero. Numéro. Il commande pas, frère. Arrête de faire comme si tu fais de la manche. Mais moi, si je faisais une chanson, je dirais donne-moi ton jingle. Toi, si tu veux faire une chanson, ça serait donnez-moi. Dieu vous le rendra pas. On est au bout du route. On a fait une rando, les amis. Elle est dure, hein. Et là, maintenant, on va faire ça en rappel. Mode escalade. Allez, c'est parti, let's go. To see what kind of beautiful they'll be. Oh, you lit me up. Oh, yeah, it was something close, or maybe even love. Yeah, something close, or maybe even love. Yeah, c'est très très beau, Bryce. Bryce, pas de nice. Allez, je vous montre un petit aperçu. Bah, vous voyez pas grand chose. Mais voilà, c'est très très beau, sachez-le. Le truc, c'est que le sunset, il est un peu inversé des roches. Du coup, bah, en fait, on voit pas grand chose. Enfin, non, vous, à la caméra, vous voyez. Fois, on les comprend. Du coup, c'est parti. On rentre, on va à l'hôtel, on va récupérer les clés. Et après, on a un super programme. Les keys, comme ils disent ici. Les keys, comme ils disent. Et après, petite piscine, petit restaurant. Enfin, là, on va se mettre bien ce soir. Ah, ce soir, on est bien. On est bien. Par contre, vraiment, un parc à faire. Par contre, ça caille. The brightest flames burn too fast and die before they get the chance to see what kind of beautiful they'll be. C'est parti, les amis, la chambre. On découvre en même temps. Waouh! Lumios! Waouh! Alors, pour vous juste vous montrer un peu, mais en gros, vous savez, c'est comme les c'est quoi, les motels? Moi, je sais pas trop, mais vous savez, vous avez les chambres genre à l'extérieur. Genre comme ça. Hop, ça c'est toutes les chambres. Et nous on est là. Ouh. Très sympa. Très sympa. Là, les lits, il y a toujours deux lits. Hein. Hop, salle de bain. Salle de bagno. Et pour ceux qui se demandent ce qu'est notre vie tous les soirs quand on arrive à l'hôtel, on vous montre. Pour 2 semaines de trip. On vous montre. Allez, c'est parti. Bon, on arrive. On n'a pas les clés. Mais pour ceux qui se disent, mais les gars, pourquoi vous juste vous transférez pas dans des petites valises et comme ça vous ramenez la petite valise? Bah on y a pensé. Mais en fait, pour transférer dans la petite valise, faut aussi sortir la grosse, tu as capté. Bref, voilà, cherchez pas. Voilà. Et là on visite l'hôtel et est très stylé. Regardez la swimming pool. Ouh, il y a même un fitness center là-bas au fond. Allons voir. Ouh. La swimming pool que pour nous les amis. Les gars, ce soir c'est buffet. Mmh, comment on va se régaler. On n'en peut plus. J'en ai marre des frites. Faites-moi des pâtes. Yeah, something close, or maybe even love. Yeah, something close, or maybe even love.